Mon vieux, les Parisiens, c'est comme les microbes. Quand tu en as un qui se faufile quelque part, tu peux être sûr que 8 jours après, ça pullule. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Mon vieux, il faut fuir. On va remonter la rivière en yole. Et ce soir, quand nous reviendrons, les laitiers sont partis. La yole, dans cette chaleur, c'est un petit peu rasoir. Arrête, malheureux, tu ne sauras jamais faire une purée. On regarde un peu la tête qu'ils ont. Ah oui, j'ai justement ce qu'il vous faut. Oh, quelle chance, on va avoir de la friture. Voilà, c'est la durée au fond de la rivière, quoi. J'aurais préféré la pêcher moi-même. Alors, vous allez nous faire une petite friture, un bon petit lapin sauté, de la salade et du dessert. Ouais. Pousse-moi fort, gruyant. Puis de bâton, vous mettrez de litres de vin blanc, hein. Et puis du bordeaux rouge. Dis papa, on déjeunera sur l'herbe. Bon, on n'est pas à la campagne pour s'enfermer. Allez, hop. Si on ne déjeune ici, vite, mon chat, on déjeune ici. C'est déjà commandé. Oh, faut déjà s'en aller. Non, on vous écrira. On va tout de même vers la rivière. Mais oui, Anatole, mais oui. C'est tellement chaud, je me déboutonne, moi. Tiens, allons-y, mon vieux Anatole. Va. Tais-toi, ne dérange pas. Nous sommes extrêmement occupés. Monsieur est en pleine conférence. Je crois qu'il est prêt ton vin d'Argenteuil parce que moi je le mange. Regardez la baie. Oh, c'est ça. Belle invention, l'escarponnette. Monotrope, Nigo, tu vois tout, tu vois rien du tout. Oh, ben c'est parce qu'elle est debout. Si elle pouvait s'asseoir, le paysage deviendrait beaucoup plus intéressant.